Bonjour et bienvenue au dernier épisode du Nuclear Extreme Show, car c'est l'épisode de ma mort. Aujourd'hui, vraiment dans le cas extrême, c'est un saut à l'élastique du plus haut pont d'Europe qui fait 160 mètres si je ne me trompe pas. Et donc voilà, tout de suite on va aller découvrir ce saut énorme, épique. Attends, maman, c'est comme si tu fais pas que je marche, je suis fumé là. Ah ouais, là. Moi, donne-moi ce que tu veux. Serre les pieds. Écoute, t'es parfait pour nous, tu vas quand tu veux. Voilà, c'était le Nuclear Extreme Show en direct de 1h à 160 ou 180 mètres. Sensation forte. Bienvenue. Après, c'était elle a accompli son rêve. C'était bien. Oui, c'était génial. C'était trop bien. Wouh, on a sauté très haut. Ouh là là. Ah merde. Moi, je t'ai suivi. Mais si, c'est le chemin. Je crois que lui, il a eu peur. Bienvenue dans une forêt où il se passe des choses très étranges, des gens crient. Nous suivons des signes trouvés. Derrière nous, un fou indien fait un chant maléfique. Il existe un film où le mec là, il se coupe la main, je me souviens plus le nom. Il était là. Je lui ai même pas sauvé la vie. En pépèche. Pour la merveille et la beauté du lieu. C'est pas beau. Jour 78. Ça fait un moment qu'on n'a pas mangé. Nous allons bientôt mourir. Nous sommes toujours dans le canyon. Oh mon dieu! C'est beau! Nous sommes sauvés. Nous avons trouvé une échelle. Nous sommes sur la bonne voie. En fait, c'est donc comme je disais à Christelle hors caméra, c'est Nuclear Extreme Show numéro 4. On a l'impression d'être dans le Crazy Circus ou je sais pas trop quoi là, Magic Circus. Hop. Plein d'obstacles mais pas l'aveugle. Et d'origine naturelle. C'était Alexandre de la jungle. Pour vous servir. On a fait une découverte. Qui rend triste. Un pendu. C'est une corde de pendu.